rester chez moi. Alors si tu dégages pas tout de suite, je te défonce la tronche, tu comprends? Je crois pas, non. Je cherche quelqu'un pour changer du fric. Comment ça? J'ai 200 patates en francs. Si je me pointe à la Banque de France devant le compteur du Trésor avec ma tronche et mon CV, je suis bon, moi. T'as l'air en forme? Faut que je te parle. Tu savais que Marianne avait un fils? Oui. Hugo, un gentil gamin. Pourquoi tu m'aurais dit? Je savais pas comment t'allais le prendre. T'es tellement soupolé, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Jo est revenu. Il est au courant pour Hugo. Ça va, Baltringue? Alors, paraît que ta mère, elle s'est toujours place des fêtes, hein? Bouffon, là. Bon, je me casse, mais on se revoit vite. Hein, ma clouf? Comment il t'a parlé, ce petit con-là? Tu lui crois pas après pour lui casser la bouche? J'ai autre chose à foutre. Il a fait quoi pour mériter une peine aussi lourde? Un braquage qui a mal tourné. T'étais avec lui? Charlie. Il est réglo, Charlie. Il est toujours dans le quartier? Oui, toujours. Au Père Lachaise. Il s'est fait buter il y a 2 ans. Il a peut-être changé. Tu sais, en 15 ans... T'en as parlé à Hugo? Tu veux que je lui dise quoi? En fait, j'ai trouvé quelqu'un pour défendre. Un gitan. Alors, mon copain, content de retrouver le quartier? Ouais. Tu vois, ce qui est sympa ici, c'est que tout le monde se connaît. C'est comme un petit village. C'est pour ça qu'on s'est installé là. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi, hein? T'as un problème, gros con? Oh, je te parle, enculé! La prochaine fois que tu remets les pieds chez Maclouf, je te colle la branlée que ton père a jamais osé te mettre. Et tu veux pas lui dire, toi, Marianne, que j'ai changé? Il faut que tu la rassures. Trouve du boulot, mène une vie normale. T'as pas mis un coup de pelle à quelqu'un récemment? Ah, attendez, je pouvais pas savoir, moi. Ah, tu te crois chez toi partout. Ah, écoute, je suis pas là pour chercher les embrouilles, d'accord? Pose ton cul, les mains sur la table! Ton père, Hugo. Ça m'aille, cousin. Bon, ça, déjà, c'est pour les dommages et intérêts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi, maintenant? Je suis content que t'aies accepté de me voir. Maman m'a dit que c'était mieux que je vienne. Quoi, tu voulais pas? Allez, débarrassez-moi de lui, j'ai pas envie de manger froid, moi. Attends. Avant de faire une connerie, vérifie les billets dans le sac, ils sont faux. Je suis désolé. Ah, pose ton arme, toi! Pose ton arme! Arrête, fais pas le con. Tire pas, s'il te plaît. Tu peux partir, je fais rien, je te le jure. Ouais, t'as raison. Il a bien changé le quartier.